Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Emma et moi, épisode 20. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace, et je suis ravie de vous retrouver grosso modo tous les 15 jours, le vendredi en fin d'après-midi, pour un nouvel épisode de podcast. Ici, vous êtes sur une chaîne qui parle de tricot, essentiellement de laine, de fil, un tout petit peu de crochet, mais on va dire 99% de tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sous le pseudo d'Emma et moi, sur Instagram et sur Ravelry. J'essaie, dans la mesure du possible, de toujours répondre à vos commentaires, même si souvent je suis très en retard. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer et je me suis dit, est-ce que je ne vais pas vous faire un podcast un petit peu avant, parce que je me voyais tricoter et j'ai vraiment beaucoup avancé sur beaucoup de mes projets, au point où sur mes projets en cours, j'en ai fini 4. Durant cette dernière période que je vais vous montrer. Et du coup, j'en ai profité pour en monter de nouveau, donc que vous verrez dans les projets en cours sur mes aiguilles. Finalement, je me retrouve avec seulement deux petits projets ou deux ou trois petits projets, enfin pas petits, deux ou trois gros projets en cours et je me dis, oulala, va falloir que je questionne des nouvelles choses pour garder un petit peu de dynamique, on va dire, dans le choix de ce vers quoi je vais tricoter. Je sais que vous aimez bien les capsules culture, donc cette semaine, je vais prendre l'opportunité d'un de mes projets pour vous parler de la différence qu'il y a entre le mérino d'un côté et le BFL de l'autre. Déjà, je vous expliquerai ce que c'est que le BFL, parce que je crois qu'on n'en a pas encore parlé. Mais aussi, quelles sont les différences, puisque finalement, ce sont deux très belles laines, deux laines très douces qui sont agréables à tricoter, mais elles ont des particularités. Chacune a, on va dire, un avantage sur l'autre, et donc en fonction des projets que vous voulez tricoter, vous irez forcément plus vers un mérino ou plus vers un BFL. Ou alors tout simplement parce que vous préférez le mérino ou que vous préférez le BFL. En tout cas, ça fait partie de ce dont on va discuter dans cet épisode. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire dans cette introduction. On va passer assez rapidement sur les projets terminés. Et je pense que vous l'avez remarqué, mais j'en porte un aujourd'hui dont je suis absolument fière. Et qui sera certainement pas le dernier, mais je vous en parle tout de suite. Donc, ce projet terminé, vous l'avez reconnu, c'est le top Bowman de Lucienne Tricote que j'ai tricoté dans une laine de chez Kremke. Qui est la Reborn Denim en uni dans la couleur 135, donc c'est leur couleur naturelle. Donc je voulais un top qui soit très estival, donc c'est un coton réalisé à base de jeans recyclés,
comme son nom l'indique, un denim. Voilà, c'est une laine, alors j'espère que j'arriverai à vous le montrer. J'ai fait un petit lieu différent cette semaine. Alors avant que je vous parle de mes tricots, je vous retrouve dans un décor complètement différent et j'espère que le son sera bon parce que la structure de la pièce est un peu différente. Alors pourquoi je vous accueille ici? C'est simplement parce que toute ma famille est en vacances et du coup je me suis fait un petit peu éjectée de mon lieu habituel qui est dans mon séjour. On m'a dit très clairement, écoute, si tu veux parler tricot, va donc parler dans la chambre d'amis. Donc j'espère que ça résonne pas trop et que le son sera ok pour vous. Et donc du coup, ben, vous avez un jaune. Donc vous voyez finalement, d'habitude je vous fais venir dans un environnement avec assez gris, assez froid. Mais dans ma maison, j'ai quand même des pièces avec des couleurs assez chaudes. Donc bon, voilà. Soyez pas perdus, vous êtes quand même encore sur ma chaîne. Même si finalement j'aime quand même toutes les couleurs. Donc voilà, donc je disais donc que je vais essayer de vous montrer cette laine. Elle est légèrement tuidée avec des petits éclats de couleurs par-ci par-là. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir, je vais pas réussir. Ah si, voilà. Ici, vous pouvez voir, donc vous avez des éclats de noir. Sur cette pelote, je n'en ai pas, mais j'ai rencontré un tout petit peu d'orange, quelques petites taches de rouge. Donc voilà, quand c'était un petit peu trop gros, je me suis permis d'enlever le petit éclat de couleur qui s'enlève très bien. Par contre, j'ai gardé quand même la plupart d'entre eux parce que j'ai trouvé que ça donnait un petit peu de cachet à l'ouvrage. Donc, c'est un top qui a été designé par Lucienne Tricote, dont j'avais réalisé déjà le top node que vous avez vu. Je crois que c'est l'épisode d'avant ou encore deux épisodes avant que je vous avais montré terminé. Je l'ai réalisé, donc c'est un patron qui se tricote en 3,5. Donc moi j'ai respecté les aiguilles, j'ai tricoté en 3,5, j'avais exactement le même échantillon et j'ai utilisé la laine préconisée par le patron. Par contre, c'est un top qui normalement se tricote avec une aisance positive de 15 cm. Alors moi je suis pas très à l'aise quand il s'agit de tricoter des choses trop loose. Je suis un petit peu rondelette, vous pouvez voir, voilà, un tout petit peu rondelette. Et je préfère avoir quelque chose qui soit un tout petit peu plus ajusté tout en gardant une aisance acceptable. Donc j'ai choisi de descendre d'une taille. Et au final je suis assez ravie. Donc j'ai fait la taille 4. Qui donne un tour de poitrine de 107 cm. Donc, vous voyez, il y a encore de l'aisance. Moi, je fais un tour de poitrine de 98 cm. Donc, ça me suffisait. Hein, ça faisait 9 cm d'aisance. C'était bien largement, en tout cas pour moi, je trouvais que c'était bien largement suffisant. Alors, je vais vous le montrer et en parler comme ça. Et puis après, je vais l'enlever pour pouvoir vous montrer les détails de plus près. Donc, c'est un top qui se commence du haut, en tout cas du cou, qui se tricote d'abord en aller-retour jusqu'à ce que vous rejoigniez ici, et vous tricotez, je vais l'enlever puis je vais vous expliquer. Alors les habitudes ont la vie dure, hein. Quand on a l'habitude de vous présenter d'une certaine façon, ça devient compliqué. Alors j'essaye de bien rester au milieu de l'écran, puisque l'une de vous m'a fait remarquer que j'étais souvent décentrée. Alors c'est une habitude que j'avais prise pour vous montrer des images à droite et à gauche, mais elle m'a fait remarquer qu'on avait l'impression que je ne vous regardais pas dans les yeux, donc j'essaie vraiment de... Merci Mireille, si tu passes par là, de m'avoir fait ce commentaire, pour moi c'est constructif. Donc voilà, je vais essayer de rester au centre et pouvoir bien vous regarder. Et que vous ayez quand même l'impression que je vous parle à vous et pas à quelqu'un qui est passé à côté de vous. Donc la construction de ce top, vous le démarrez ici, donc entre... Les points mousse. Donc elle vous fait monter un certain nombre de mailles et vous démarrez d'abord en point mousse. Vous venez bien sûr rajouter des rangs raccourcis et vous faites toute la partie du dos jusque là en aller-retour à plat. Donc jusqu'à ce point là vous tricotez à plat, vous faites pas de devant. Ensuite elle vous fait reprendre des mailles sur la partie de l'épaule, et alors je vais vous montrer quand même, hein, parce que montre l'un ou l'autre, mais voilà, regardez comme je suis fière de mon relevage de mailles. On voit rien, donc c'est alors si on voit un tout petit peu à cause de la pliure, mais mon relevage de mailles il se situe là. Et donc vous partez et vous tricotez
un demi devant, l'autre demi devant et vous rejoignez en rond à ce niveau-là. Vous continuez à faire la partie, donc c'est à peu près au même niveau que vous allez rejoindre. Alors on ne se rend pas compte, hein, mais ce raccord-là est à peu près au même niveau que celui-ci. Donc à partir du moment où vous avez rejoint les deux demi devant, vous continuez à faire en point mousse, puisque cette partie du col est réalisée en point mousse, le reste est en jersey en droit. Vous tricotez en rond, tout en faisant la partie de point mousse pour finir levé du col, et après vous déroulez. Donc c'est l'avantage de ce patron, c'est que vous tricotez tout en une seule fois, vous relevez des mailles et des machins, mais vous n'avez pas de finition à faire sur la fin, puisque le col qui est réalisé en point mousse est tricoté en même temps que le corps, mais également la finition de l'épaule, du manchon, qui est réalisé, alors je ne sais pas si vous le verrez bien, voilà, on réalise un I-cord en même temps que l'on tricote, et donc la totalité de l'emmanchure est réalisée en même temps. C'est un top, donc il est semi-crop, en tout cas il est suffisamment crop pour moi, parce que je porte pas des choses extrêmement courtes. Celui-ci à 36, parce que je ne me suis pas vue tricoter, j'ai fini un petit peu trop tard, 36 cm sous l'emmanchure, ce qui fait que ça m'arrive au niveau de la ceinture, enfin en dessous du niveau de la ceinture, et c'est parfait pour moi. Donc voilà, donc une fois que vous avez tricoté en rond, vous restez en jersey jusqu'à quelques centimètres avant la fin de la longueur désirée et vous faites une petite finition les 5 derniers centimètres en côte torse. Alors on dit demi-torse puisqu'il n'y a que l'une des deux mailles qui est torsée, donc en l'occurrence la maille en droit. Et alors, chose que j'ai bien aimé parce que j'ai appris une nouvelle manière de rabattre les mailles, et donc je vais vous le montrer. Il faut que j'enlève le sein, sinon je ne vais pas réussir. Je vais vous montrer cette finition de rabattage. Est-ce que vous verrez quelque chose? J'espère. Donc c'est le rabat de Xiaowei Design qui est préconisé dans le patron. Alors c'est un rabat que je n'avais jamais fait, qui est assez facile à faire puisque c'est un rabat classique où vous tricotez une maille dans un sens, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Par contre, vous enlevez, alors ça peut paraître un peu effrayant au départ, mais vous enlevez votre aiguille pour faire passer le fil de l'autre côté et vous remettez l'aiguille dans votre maille. Donc il suffit de bien sécuriser la maille que vous allez rabattre après. Je vous mettrai le lien dans la barre de description vers ce rabat. Je trouve qu'il donne un effet, alors il est élastique mais pas trop. Par contre, il donne un effet de rabattage pas sous forme de chaînette. Donc, on a l'impression vraiment que c'est la côte qui vient se terminer. C'est dommage, avec cette couleur, vous ne voyez pas très bien. Mais c'est voilà, ça fait un bel effet de rabattage. J'ai beaucoup aimé travailler ce patron. Il est extrêmement bien écrit. Il taille parfaitement bien. Je n'ai pas fait... Ah si, alors, c'est ça, il faut que je vous dise... J'étais arrivée à peu près ici et j'ai vu une vidéo de Caroline Petit-Pimousse qui avait fait les rangs raccourcis à l'arrière du patron, et ça donnait une forme au top qui était un peu moins gracieux, en tout cas à mes yeux j'ai trouvé que c'était effectivement un petit peu moins gracieux qu'un top qui tombait droit. Donc en ayant regardé cette vidéo, Caroline, si tu passes par là, merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé que tu fasses cette revue. Du coup, j'ai pris le parti de ne pas faire ces rangs raccourcis et de simplement d'avoir un top qui finit droit devant et derrière. Donc voilà, d'ailleurs, je l'avais vu aussi chez Chantal Fraîcheur Mentalo, où elle non plus n'a pas fait les rangs raccourcis sur la fin, et son top Bowman arrivait vraiment bien. Donc voilà, donc moi, il me reste à faire les photos et à poster les photos de mon top terminé sur... le cal qui se finit le 31 août. Donc comme vous avez pu voir, j'ai un certain top que j'ai tricoté en 15 jours. En fait, il est très addictif, hein.
parce que vous arrivez ici et vous êtes déjà beaucoup beaucoup dans le corps. Il reste voilà, ça se tricote très bien. C'était un coton quand il faisait extrêmement chaud, et donc tricoter du mérino ou tricoter vraiment de la laine, j'avais un petit peu de mal. Et donc pendant les grosses chaleurs, je me suis dit, allez hop, je tricote mon top Bowman, et j'avais tellement hâte de le porter que hop là, tout à coup il était terminé. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux. C'est voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, patron validé, top Bowman. J'aime aussi beaucoup beaucoup cette couleur. Voilà, cette couleur naturelle qui voilà, de chez Crème Clé. J'ai beaucoup aimé la fibre aussi. Elle a un beau drapé. Voilà, vous ne vous rendez pas compte à la caméra, mais voilà, pour un coton, elle a quand même un tombé qui est relativement fluide. Alors que sur d'autres cotons, vous avez quand même quelque chose qui est beaucoup plus. Oh, j'ai une équipe. Qui est beaucoup plus carton ou dense. Là, clairement, c'est une fibre qui, voilà, qui va bien. Donc voilà pour mon premier projet terminé de la semaine. Vous verrez, c'est pas le dernier, puisque je vous ai dit, j'en ai 4 cette semaine. Enfin, comment c'est possible? Je ne sais pas comment ils sont sortis de mes aiguilles, mais j'ai tricoté. Et je crois que c'est parce qu'il a fait tellement chaud que je me suis retranchée un petit peu dans mon intérieur. Donc voilà, vous le reverrez plus en tant qu'objet, vous le verrez certainement porté dans les prochains temps. Alors, mon deuxième objet terminé, c'est une lingette, un torchon, enfin bon, je vous avais parlé la dernière fois d'un magazine gratuit en anglais qui était auto-publié, qui s'appelle le magazine Blocked, dont je vous avais mis le lien dans la précédente vidéo, je pense que je vous le mettrai aussi cette fois-ci, et qui publie chaque... alors le magazine sort tous les 2 mois ou tous les trimestres, je ne sais plus, je crois que c'est tous les 2 mois, et dans chaque édition de magazine, vous avez un patron mystère d'un carré, vous en faites ce que vous voulez, ce carré. Donc, c'est un carré qui se fait, en tout cas moi je le voulais en coton, je le voulais relativement grand mais pas non plus trop, et vous verrez, je les ai fait un petit peu grands, mais bon, vous inquiétez pas, il va finir dans ma cuisine, au lieu de finir dans ma salle de bain, il finira dans ma cuisine. Mais voilà, du coup je suis partie chercher chez une de mes mercières locales un coton. Un peu épais, qui se tricote en grosse laine. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'avais absolument pas dans en grosse aiguille, pardon. C'est quelque chose que j'ai absolument pas dans mon stash. Donc je suis allée, alors, l'une de mes mercières était fermée, je suis allée chez la deuxième, ça vous en fichez. Et j'ai trouvé du coton de chez Rico Design dans sa gamme créative So Cool, So Soft Coton. Alors je trouve qu'elle porte très bien son nom parce qu'en termes de douceur, là pour le coup, c'est un coton qui est extrêmement doux. Et alors c'est pas cette couleur que j'ai tricotée, mais si déjà il y avait 50% de solde, donc j'ai pris trois couleurs. Il y a celle-ci, il y a celle-ci, donc je vais vous montrer après la réalisation, et j'ai un bleu que j'ai pas ici, mais que je vous montrerai quand j'aurai fait quelque chose avec. Alors c'est un fil qui est assez rigolo parce qu'il est, donc vous avez une partie très douce et très feutrée à l'intérieur qui est enroulée, est-ce que vous le verrez, oui, qui est enroulée par un fil en torsade autour de lui. Donc je me suis dit, oh là là, mais comment ça va se tricoter? Est-ce qu'on va voir la partie torsadée ou pas? Et en fait, une fois tricoté, on ne le voit pas, si ce n'est que ce petit fil justement qui passe autour est plus brillant que la partie feutrée, et donc ça fait un petit rendu un petit peu plus, plus sympathique sur l'ouvrage terminé. Donc la couleur que... Et puis bien sûr, j'ai pas l'étiquette, donc c'est des numéros, mais celle-ci, c'est le coloris 014, celle-ci, je sais pas, puisque j'ai pas l'étiquette avec moi, mais c'est la même gamme, voilà. Sur chaque pelote, vous avez 100 mètres pour 100 grammes. Donc là, on est vraiment sur du bien épais. Je les ai tricotés. Alors, la pelote demande des aiguilles en 7. Moi, je les ai tricotées en 5, qui est la plus grande taille d'aiguilles que j'ai. Et ça allait très bien. Après avoir fait mon échantillon, ça passait très bien. Ça fait un effet un petit peu dense, mais ouais, ça passe. Ouais. Je choisirai un coton un petit peu moins épais, parce que vous verrez, c'est un peu grand. Et donc, ce qui était sympa, c'est de découvrir... Finalement, vous tricotez... Alors,
il n'y a rien de compliqué, c'est des mailles en droit et des mailles en vert, et c'est justement cette alternance de mailles en droit et mailles en vert qui vont créer le motif. La seule différence que j'ai fait par rapport au patron, et d'ailleurs je vais d'abord vous montrer le rendu, mais le patron appelle des mailles en droit pour le démarrage de chaque rang. Et moi je voulais une finition un peu plus, un peu moins, comment je pourrais dire, quand vous faites ça, vous avez des petites boules qui se créent au début de chaque rang, un peu comme sur mon top bobine. Alors attendez, bon, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, vous faites, si vous faites que des mailles en droit, ça vous fait une finition comme ça, avec des petites boules. Alors que si vous glissez la première maille de chaque rang, vous aurez un rang de démarrage qui est bien bien droit. Et donc c'est ce que j'ai fait moi sur mon carré, on va dire, hein, plus un carré, un torchon, hein, ce que vous voulez. Et alors ce qui était rigolo, c'est qu'au fur et à mesure, vous vous disiez, mais qu'est-ce que je suis en train de tricoter, quel motif je suis en train de tricoter. Donc je vous montre le rendu fini, puis il va falloir que vous me disiez ce que j'ai tricoté, parce que j'en ai absolument aucune idée. Je suppose que c'est des nuages. Ou c'est des traces de pattes. Ah, peut-être des traces de pattes. J'en sais rien. Alors dites-moi, à quoi ça ressemble? Dites-moi dans les commentaires, selon vous. Voilà, je vous le mets bien de près. Hein. Est-ce que c'est une fleur, des nuages, des traces de pattes? Alors, maintenant que je vous le montre à la caméra, pour moi, ça ressemble à des traces de pattes. Mais alors, en le regardant comme ça, moi, je ne suis pas capable de vous dire à quoi ça ressemble. En tout cas, ce sera bien pour se laver les mains. Donc ça se tricote comme un carré. Donc là, en termes de modèle disponible pour les débutants, il n'y a pas mieux. Vous démarrez ici, vous faites des rangs selon les instructions, vous finissez ici. C'est écrit en anglais, par contre, c'est que du code. K1, P1, ou du moins P, et nombre de mailles, K et nombre de mailles que vous devez faire. Et ça s'arrête là. Donc vous avez le carré fait, si mes souvenirs sont bons, 45 mailles de large, 64 rangs de haut. Donc c'est assez vite tricoté. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai tellement d'ouvrages à vous montrer cette semaine. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est ici, et là, attention, talent de crocheteuse, j'ai rajouté une petite boucle de crochet pour pouvoir accrocher mon torchon, puisque finalement c'est un peu grand pour une lingette de douche. Donc en l'occurrence, ce sera un torchon pour ma cuisine, pour les mains. Pour s'essuyer les mains. Donc si jamais vous êtes intéressé, j'ai vu que dans le magazine numéro 2, il y a deux lingettes ou carrés mystères et un carré mystère dans le premier exemplaire du magazine. Donc moi je vais en faire trois au total puisque j'ai acheté trois pelotes, donc celle-ci où il me reste un petit peu. Je n'ai pas pesé, je vais vous peser, je vous dirai la prochaine fois quand j'aurai fait, ou la fois d'après quand j'aurai fait le carré suivant. Voilà, j'ai un espèce de rose poudré. Ça ne rend pas bien, vous avez l'impression que c'est jaune, mais c'est rose crème, rose crémé, je ne sais rien. Mais c'est rose. Là, c'est corail et rose et j'ai un bleu ciel. Donc je vous dirai peut-être bien qu'il me restera suffisamment pour faire un truc à rayures à la fin. Et ça me fera 4 torchons. Donc là c'est très simple. La petite cordelette en crochet. Moi j'ai passé mon crochet dans le dernier, dans la dernière maille. J'ai fait des mailles en l'air pour jusqu'à ce que j'ai suffisamment de longueur. Et j'ai fait une maille serrée. Donc je suis repassée dans le trou d'origine pour pouvoir fermer mon trou. Donc voilà pour un petit objet 100% coton. Donc je vais le mettre en service dès ce soir, ou du moins dès que ce podcast sera terminé. Donc voilà pour le deuxième projet terminé de la semaine. Alors, mon troisième objet terminé de la semaine, c'est mon étole Loose Ends de chez Jennifer Weissman que j'ai tricoté dans le mérino de chez Along avec Anna.
dans sa couleur colombe. Et bah, c'est un kit de dégradé dans les tons de bleu qui ici. Du moins, je vais vous montrer ce qui me reste. De la petite boutique Etsy Pipin Yarn, qui est une teinturière indépendante anglaise. Et sur lequel j'avais acheté un fade, un dégradé de 8 échevaux de mini, sur lequel je n'en ai utilisé que 5. Et vous verrez, il me reste de quoi refaire une écharpe inversée, dans l'autre sens pour les couleurs. Donc, c'est une étoile et je vais vous la montrer d'abord comme ça. Oh, j'adore cette écharpe. Donc, je vais essayer de la décaler pour que vous puissiez voir les effets de cette écharpe ou de cette étoile. Bon, je vais pas la garder parce qu'il fait un peu chaud. Mais voilà, clairement, c'est une étoile que je vais porter autour du cou, comme ça. Ou que je vais tout simplement repasser l'une dans l'autre. Voilà, avec un col ouvert de manteau, ça ira très bien. Donc, que je vous la montre de plus près. Je vais vous montrer la moitié et puis, grosso modo, donc vous voyez le dégradé. Hein, moi, j'ai choisi de le faire en dégradé, vous pouvez le faire avec plein d'autres couleurs. Et donc, c'est une écharpe ou une étoile qui se commence en termes de construction par le centre, ou du moins le côté du centre, où vous commencez par faire le triangle blanc que vous venez augmenter vers le triangle bleu foncé, en l'occurrence la couleur numéro 1 que vous aurez choisi. Donc moi c'était cette couleur là, et il me reste environ 2 grammes de mon mini, donc c'est quelque chose que je vais replacer ailleurs, hein. Il n'y a pas grand chose, mais je pense que je vais pouvoir l'utiliser ailleurs. Une fois que vous avez fait ce premier grand triangle, vous mettez vos mailles en attente. Donc vous mettez vos mailles en attente ici. Vous refaites exactement la même opération avec le deuxième triangle. Donc triangle blanc augmenté d'un triangle bleu marine, enfin du moins d'un chevron bleu marine. Et pareil, vous mettez vos mailles en attente et donc vous regroupez ces mailles en attente ainsi que celle-ci et vous partez, vous déroulez sur la première, on va dire la partie droite de votre écharpe. Et alors ce qui est intéressant dans cette construction, c'est que vous avez beaucoup, alors là pour le coup la lumière elle est mieux pour que vous puissiez voir la texture. Donc vous avez des textures en point mousse, agrémenté de quelques petites rayures en jersey, toujours avec une maille centrale en surjet double, chercher la maille en français, qui vous fait cette jolie délimitation centrale. Donc vous voyez, quelques rangs en point mousse, quelques rangs en jersey, quelques rangs en point mousse, quelques rangs en jersey, et puis hop, l'introduction de la deuxième couleur. Donc moi c'était un bleu légèrement plus clair que le précédent et donc il me reste presque 5, un peu plus de 5 grammes de cette deuxième couleur après avoir tricoté l'ensemble de mon écharpe. Donc vous voyez, uniquement quelques rangs encore une fois. Donc en termes de rythme, hein, on change tous les quelques rangs. Une fois que vous avez de nouveau réalisé quelques rangs en point mousse, hop, introduction de la troisième couleur. Donc troisième couleur, moi c'est une couleur sur laquelle il me reste la moitié de mon écheveau de midi. Donc là, typiquement, je peux en refaire quelque chose. Nouvelle introduction de texture. Une fois que vous avez fait à nouveau un petit rappel là, de point mousse, hop, elle vous fait positionner des marqueurs au niveau des mailles glissées que vous avez ici. Donc petit rappel au chaîne linea, donc c'est la même construction, si ce n'est que les augmentations ne sont pas placées au même endroit puisque tout simplement on est sur un grand rectangle, hein. Et donc vous avez, par un jeu d'augmentation diminution passée à certains endroits, vous avez les deux jeux de mailles glissées qui vont venir se rejoindre vers le début de la pointe de ce que elle appelle la flèche. Donc la flèche, en l'occurrence, vous démarrez, et alors là, vous faites plaisir en termes de couleur, puisque vous partez
de votre couleur la plus claire. Alors, ainsi on voit bien que c'est la même. Mais par contre, voilà, on est plutôt ici sur la bonne couleur. Donc, où vous partez et là vous montez, couleur la plus claire, moyenne, enfin deuxième couleur, troisième couleur, quatrième, cinquième, et puis vous revenez en arrière. Quatrième, troisième, seconde, et vous finissez au milieu par la même couleur avec laquelle vous avez démarré. Sur celui-ci, qui est donc la troisième couleur, la quatrième couleur de mon fade, donc celle-ci qui arrive là, il me reste 15 grammes. Donc quasiment les trois quarts de mon écheveau, de mon mini. Et sur la toute dernière couleur, il me reste 18 grammes. Donc je n'ai utilisé que 2 grammes de cette dernière couleur. Donc là, je me retrouve avec un dégradé ou du moins un assortiment de couleurs qui me permet de réaliser un autre projet. Je pourrais très bien réaliser exactement la même étole ou la même écharpe en inversant les couleurs, donc en mettant les plus claires à la place des plus foncées, et j'aurais suffisamment de quoi faire. Donc là, typiquement, c'est un projet vraiment idéal pour passer ses restes. Ce que j'ai trouvé très rigolo, mais par contre un petit peu difficile à faire, c'est cette partie-là. Parce que lorsque vous faites ces triangles-là, en fait, vous tricotez comme ça. Donc vraiment en triangle, hein, voilà. Et pour pouvoir faire ces petits pompons ou voilà, petites franges que vous avez, à partir de là, elle vous fait laisser 10 cm de fil. Donc vous coupez le fil à chaque fin de rang et vous avez à chaque début de rang 10 cm de fil à laisser et à chaque fin de rang 10 cm de fil à laisser. Et donc vous tricotez, sauf que vous n'avez jamais rien qui est sécurisé puisque vous êtes en démarrage de fil et vous ne pouvez pas le rentrer le fil tout de suite. Hein. Donc j'ai trouvé ça un petit peu difficile à faire. En tout cas, c'est pas quelque chose à faire devant la télé. Parce qu'il faut vraiment que, un, déjà que vous n'oubliez pas de couper le fil, parce qu'il n'en a fait pas le même effet. Et deux, ben il faut vraiment tirer au fur et à mesure sur vos fils pour éviter que ça se détricote. Une fois que vous avez fait ça, vous allez relier. Alors moi je les ai reliés 6 par 6. Sauf celui-là qui en avait que 4. Mais sinon ils sont en 6 par 6. Pour qu'il y ait systématiquement quelques rangs de bleu et quelques rangs de couleur colombe. Et donc vous faites un nœud, tout simplement, que vous remontez bien vers votre tricot pour faire cette finition. Après, à vous de choisir si vous voulez les faire plus longs ou pas. Donc si vous voulez les faire plus longs, il faudra laisser plus que 10 cm. Moi, j'avais laissé plus que 10 cm parce que j'étais voilà, en panique. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que je vais y arriver ou quoi que ce soit? Puis au final, j'ai tout coupé à la même longueur pour égaliser. Alors, vous vous rendez pas compte puisque j'ai ma main en dessous, mais coupé net. Donc voilà. Et puis bah, bien sûr... une fois que vous avez fait ça, bah vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Les laines, moi je les ai beaucoup aimées, la laine de longue avec Anna, même si au départ je trouvais qu'elle était un peu fine, je trouve qu'elle est très bien à tricoter, très agréable. Elle s'est vraiment vraiment beaucoup assouplie au lavage. J'avais quelques réserves quand je l'ai reçue où je la trouvais un petit peu plus sèche que d'autres mérinos que j'avais tricotées. Là pour le coup, voilà, au lavage, de toute façon vous le voyez hein, dans le tombé de l'étole, ça s'est vraiment beaucoup assoupli et c'est vraiment très agréable. Donc il me reste beaucoup de pelotes, enfin beaucoup, il m'en reste 3 de chez Elong avec Anna, 3 pelotes de 50 grammes, puisque ce sont des pelotes de 50 grammes, 200 mètres pour 50 grammes. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec. Donc, puisque je suis vraiment, si vous ne l'avez pas vu dans les épisodes précédents, je suis vraiment dans une démarche où j'essaie d'utiliser mes restes pour éviter de me faire noyer dans une quantité de restes, sachant que je n'ai pas l'intention de faire une couverture de restes avec des petits blocs parce que ça n'irait pas chez moi, même si j'aime ça chez d'autres personnes. Ça ne va pas dans mon intérieur. Donc, j'essaie d'utiliser au fur et à mesure les restes dans divers projets. Donc, voilà. L'écharpe plus N, je ne sais pas si vous la verrez encore parce que je ne pense pas tourner un podcast avec une écharpe autour du cou, sauf si vraiment je suis malade ou si je tourne dehors, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour je vous emmènerai à l'extérieur pour faire un podcast en extérieur avec un bonhomme de neige et tout. On verra bien. Donc voilà pour mon troisième projet terminé de la semaine.
Alors, mon dernier projet terminé. Alors, je suis vraiment, vraiment contente de vous le montrer parce que c'est un projet qui, pour moi, c'est un projet qui a beaucoup de sens puisque ce sont mes chaussettes de l'avant. Et donc, j'ai enfin terminé, en tout cas, la partie tricot de ma première chaussette. Donc, c'est un projet que je tricote pour faire la base de mon jacquard. J'utilise un blanc ivoire, un blanc cassé de chez Bergère de France, tout simplement, dans leur base Merino 2.5. Donc c'est un écru, c'est pas un blanc cassé, mais on est quand même sur du blanc cassé. Hein. Donc voilà, que j'ai associé avec des bébés Merino de chez Fonti, donc dans leur couleur rouge. C'est un peu flashy là, mais bon. Et un gris qu'ils appellent un gris babar. Voilà. Et pour faire ma chaussette, parce que j'ai pour le coup, là, pour ce projet-là, j'ai pesé combien il me restait. Il m'a fallu 37 grammes de blanc. Que je ne me trompe pas de ligne. Il m'a fallu 31 grammes de rouge. Et il m'a seulement fallu 16 grammes de gris. Donc, projet numéro 2 chaussette, tout est déjà prêt. Donc sachant que j'ai plusieurs pelotes de chaque couleur, hein, donc pour faire l'ensemble de mon projet, je pense que je vous ferai à la fin un petit récap en vous disant que okay, ce modèle ça utilise tant en temps, l'autre modèle a utilisé tant et combien j'ai utilisé de chaque couleur, parce que mes 4 chaussettes seront de la même couleur, combien j'ai utilisé pour chaque fil. Et donc je vous montre. Donc, des petites côtes à deux couleurs, un petit jacquard avec des montagnes, un ciel. Alors, c'est finalement, après avoir cherché, c'est bien des rails. Hein. C'est pas des. Voilà. Je pensais que c'était des petites clôtures avec. Il manquerait plus que la vache qui regarde passer le train, mais en fait, non, c'est des rails. Donc, des rails, un ciel étoilé qui éclaire un petit train avec son wagon de charbon. Et puis ces wagons passagers, à nouveau des rails, ensuite un nouveau ciel étoilé avec un motif qui représente des sapins, qui représente plus ou moins des sapins, des rails à nouveau, et ça vous n'avez pas encore vu, donc c'est la fin du dernier jacquard qui représente un petit flocon que j'aime beaucoup, qui était un peu plus difficile, en tout cas moi je l'ai trouvé plus difficile que les autres. Parce qu'il était plus intense, ou du moins j'avais beaucoup moins, plus de mal à suivre d'un rang à l'autre la progression du modèle. Voilà, donc c'était un peu plus compliqué à mon avis. Puis vous avez nouveau un petit rappel de rail et donc la pointe en rouge. Et donc vous venez, en l'occurrence, quand vous tricotez votre chaussette, vous faites un long tube et vous mettez un fil pour faire un talon après coup. Et c'est là que, alors là j'ai détesté faire un talon après coup de cette taille-là. Donc d'ailleurs, vous voyez, il est pas, alors il est bien si vous l'ouvrez, hein. Voilà, c'est voilà, pas de problème. Hein. Mais je trouve que sur cette taille-là, ça fait, et j'ai eu beau l'aplatir au blocage, je trouve que c'est pas parfait. Bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la suivante, je ferai, je pense, un talon en rat, un espèce de demi-talon en rat raccourci. Voilà, je laisserai un quart d'émail et la moitié d'émail sur le rang raccourci. Ouais, je vous expliquerai quand je le ferai. Donc, pour qu'il y ait moins cet aspect là, avec cet excès de matière sur les côtés puisque elle est quand même amenée à rester à plat, donc il faut que je vois si je peux la bloquer encore un peu mieux. Je vais la rebloquer une deuxième fois parce que je trouve que c'est vraiment pas joyeux. Donc voilà, donc je ne sais pas encore pour qui sera cette chaussette de l'avant. Je ne sais pas encore si je fais un tirage au sort ou si je les laisse choisir chacun son modèle, mais en tout cas celle-ci, alors surtout le petit train, moi je suis fan. Donc, c'est des chaussettes que je vais doubler, c'est chose que je n'ai pas encore fait. Par contre, j'ai trouvé un tissu, je ne suis pas encore certaine que ce soit celui-là que j'utiliserai. Il faut que je mesure si j'ai suffisamment de reste. Je vous en parlerai
en globalité, quand je ferai, je pense que je vais faire la doublure de toutes en une seule fois pour qu'il y ait une harmonie dans les chaussettes. Donc je vous en parlerai quand j'aurai fait les quatre modèles. Le patron, c'est un patron sur Ravelry de Ursula Almeida qui a au total 7 patrons différents, donc avec 7 modèles de chaussettes de l'avant différents. L'avantage, c'est que vous pouvez finalement mélanger les patrons entre eux puisque vous avez différentes grilles de jacquard, chacune étant indépendante de l'autre. Donc vous avez également différents modèles de parties là en rouge et blanc. Donc il n'est pas impossible que je me fasse un peu plaisir sur les prochains modèles en choisissant un motif ici de l'une et puis un motif de l'autre. C'est un patron qui est uniquement en anglais, qui n'est pas forcément facile. Il y a un petit peu de texte, mais au final, si vous vous aidez de Google Traduction et que vous savez lire un diagramme de jacquard, ça devrait poser aucun souci. Finalement, les explications les plus intenses, c'est la pointe. Et là, si vous avez déjà fait une autre chaussette, il suffit de faire la même technique de pointe que n'importe quelle autre chaussette, sauf que vous partez de, au lieu d'avoir 64 mailles ou 72 mailles comme vous faites d'habitude, bah là vous en avez 120. Donc c'est pas tout à fait pareil puisque vous avez 4 zones de diminution. Alors, si je vous montre, sur une chaussette standard, vous diminuez uniquement ici et là, et sur cette chaussette là, vous diminuez ici et ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 zones de diminution. Sinon le rythme est le même, un rang sur deux, vous diminuez comme si vous faisiez la pointe d'une autre chaussette. Donc voilà, ça c'est un ouvrage qui est terminé, qui va aller rejoindre ma boîte de déco sapin 2022. Donc il faut que je prenne la photo et que je mette sur Instagram pour participer au hashtag lancé par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Donc ce sera ma contribution du mois de juillet. Alors fini en voilà, just in time, hein, juste à temps, le 29 juillet. Donc ce sera ma contribution de juillet. Alors comme il me manque février, mars, avril, mai et juin, néanmoins ce sera ma deuxième contribution de l'année dans cette boîte de déco pour Noël 2022. Et j'en ai terminé avec mes projets terminés de cet épisode-là. Alors, je ne vais pas vous montrer, dans les projets en cours, je ne vais pas vous montrer le crochet. Parce que là, pour le coup, je vous disais que j'avais une crise de procrastination, ben, je vous le confirme. Voilà. Ils sont toujours exactement au même point que ce que je vous ai montré la dernière fois. Par contre, l'avantage, c'est que ce soir, je suis en vacances. Alors, des vacances que je devais normalement passer près de la dune du Pila et qu'on a dû annuler en raison de ce que tout le monde connaît. Hein, il y a eu des incendies, le lieu sur lequel on devait se rendre n'est plus là ou n'est certainement plus forcément en très bon état. Au-delà du fait que nos vacances soient annulées, moi ça me fait vraiment mal au cœur de voir cette magnifique forêt partir en fumée. Mais c'est la vie, c'est comme ça, et la nature reprendra ses droits dans quelques années, j'en suis certaine. Donc voilà, donc du coup on se retrouve avec 15 jours à la maison, on trouvera autre chose à faire. En tout cas, mon objectif de ces 15 jours, c'est vraiment d'arriver à terminer ces objets en crochet, parce qu'il faut que je sois concentrée et que j'ai du temps. Donc c'est typiquement pas quelque chose que je peux prendre 5 minutes par-ci, par-là, d'autant plus que je suis à la phase où il faut faire de la couture, donc... voilà, il va falloir que je prenne le temps d'être calme et puis de faire ça correctement. Voilà, je ne vous montrerai pas non plus cette semaine le pull de mon mari. Par contre, vous le verrez la prochaine fois puisque j'arrive à la fin du corps et je vais avoir des petites choses à vous raconter. Donc, ce qui veut dire que mes deux nouveaux projets, que mes projets en cours, vous ne les avez encore jamais vus. Puisque forcément, ce sont mes deux castons, ce sont deux nouveaux projets qui sont montés
sur mes aiguilles récemment. Alors, mon premier en cours, c'est un pull que je réalise pour moi dans une laine de chez Eline Hélène, dans son coloris que je vous montre là, qui est son coloris vif argent. Et donc c'est sa laine, enfin dis-moi, c'est sa base Shiva Fingering qui est en 45%, soit 55% BFL. Et alors je peux vous dire que si vous cherchez de la douceur, alors là vous en avez, et si vous cherchez de la luminosité dans votre fil, là vous en avez également. Alors c'est voilà, vous avez beaucoup beaucoup de luminosité. Je pense que ça se voit même à l'écran que c'est une laine très brillante. C'est une fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, qui se tricote, en tout cas que moi je tricote, en 3,25. Donc ça tombait bien, et c'est ce qui a fait en fait le choix de mon projet, parce que j'avais plus tellement d'aiguilles 3,5 ni de 3, parce qu'elles sont toutes utilisées à droite à gauche, et donc celle-ci appelait du 3,25. J'ai fait mon échantillon et tout tombait bien. Donc avant de vous montrer le projet, ce sera le moment de la fameuse minute culture, parce que je vous ai parlé de BFL. Et donc, en l'occurrence, ce fil-là contient 55% de BFL. Et donc, BFL, c'est quoi? Déjà, c'est une laine anglaise. Enfin, du moins, c'est une laine issue de moutons de moutons qui sont élevés en Angleterre, qui sont les Blue-Faced Leicester, donc Blue-Faced, tête bleue, Leicester, qui sont des races de moutons à poils longs. Qui sont essentiellement élevés en Angleterre. Donc il y en a quelques-uns en France, mais la majorité sont en Angleterre. Alors je vais vous mettre une photo. Alors je vous ai promis un Merino versus BFL. Donc déjà je vais vous mettre deux photos ici. Alors je ne sais pas si je peux vous mettre les deux ensemble. Je vais vous mettre les deux ensemble pour vous montrer déjà qu'un mouton, c'est pas un... Enfin, il y a mouton et mouton. Donc, vous retrouvez notre bon vieux Merino bien poilu, avec beaucoup, beaucoup de poils, y compris sur la tête. Si je vous montre maintenant la photo d'un Blue-Faced Leicester, vous remarquerez qu'il n'a absolument pas de poils sur, ou du moins, il n'a pas de laine sur toute la partie de son corps, de sa tête. Sur son corps, il en a plein. Mais sur la tête, il n'en a pas. Et il a par contre une teinte de peau qui est vraiment reconnaissable et qui est propre à cette race de mouton qui tend légèrement vers le bleu. Et donc, c'est de là que vient le nom Blue-Faced, donc tête bleue, Leicester, qui est une famille de races de moutons. BFL, Blue-Faced Leicester. Donc, ça s'écrit... Alors, je vais pouvoir le montrer, Blue-Faced Leicester, mais ça se dit Blue-Faced Leicester en l'occurrence. Alors, la différence entre un Merino et le BFL, alors ce sont deux laines de très belle qualité, deux laines chaudes, deux laines qui ont un très beau rendu. Par contre, elles ont quand même quelques différences dans la structure de leur poil et donc forcément dans leur rendu. Donc, si on compare maintenant en termes de douceur, vous aurez un avantage au Merino qui sera légèrement plus doux que le BFL, tout simplement parce que les dimensions, ou du moins le diamètre de chacun de ces fils de laine, ou de ces fibres, ou de ces poils, ou de cette laine de mouton, sera plus fine de quelques microns. Donc on est en dessous de 25 microns pour un Merino, alors que le BFL va se situer entre 24 et 28 microns. Mais donc c'est vraiment minime, on s'en rend très très peu compte au toucher. Là où il y aura plus de différence, c'est dans la fibre elle-même. Alors sur la race de Merino, vous allez avoir un poil qui va être plus ou moins en tire-bouchon, donc assez ressort, et c'est ce qui va donner son élasticité à la fibre, à la laine de Merino. Là où le BFL, lui, va être plus gaufré,
Elle aura moins d'élasticité parce que on a moins l'effet ressort. Par contre, l'effet gaufré va lui donner un drapé beaucoup plus agréable que ce que vous aurez sur le mélino. Donc là, voilà, l'un l'autre se tiennent. Si vous voulez faire quelque chose avec un plus beau drapé, vous allez plutôt aller vers un BFL. Alors que si vous voulez quelque chose avec une bonne élasticité, une bonne tenue, vous allez plutôt aller vers un mérino. J'ai pas la science infuse, je vous fais juste une retranscription de tout ce que j'ai pu apprendre en lisant des blogs, des sites, des reportages et tout ça. Hein. Donc, si je vous raconte des bêtises, n'hésitez pas, il y a la case commentaire en dessous. Moi, j'ai soif d'apprendre, donc faites-moi un retour aussi. Autre chose qui est vraiment... Qui différencie ces deux laines, c'est le rendu de la lumière. Donc vous avez à avoir un mérino qui va prendre la lumière mais qui va la retranscrire de manière plus, pas terne, mais moins lumineuse que ce que va faire le BFL. Et ça vient de la structure du poil, voilà, du poil de mouton. Tout simplement parce que le BFL, donc ce Blue Face Lester, a un poil avec moins d'écailles, là où le mérino en aura un peu plus. Et donc le mérino avec ses écailles va absorber la lumière sans la retranscrire, là où elle va tout simplement se refléter sur une fibre un peu plus lisse du BFL. Donc vous aurez plus de luminosité, ou du moins plus de brillance sur du BFL et un peu moins, une couleur un peu plus éteinte. Alors pas une, elle sera pas plus claire, simplement elle sera moins lumineuse sur du mérino. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, trois grandes différences. C'est deux laines de très belle qualité. Il y en a certains qui disent que effectivement la BFL tient plus longtemps dans le temps parce qu'elle est moins fine en termes de fibres. Mais alors quand on parle de quelques microns, moi j'ai quand même quelques doutes. Et moi j'ai jamais eu de soucis avec la longévité de mes pulls en mérino. Donc voilà, simplement retenez bien que voilà, BFL, il y aura un meilleur drapé, mérino, il y aura une meilleure tenue, une meilleure élasticité. Si vous préférez des couleurs plus mates, allez plutôt vers du mérino. Si vous voulez des couleurs un peu plus brillantes, plus lumineuses, allez vers du BFL. Donc voilà, et après en termes de douceur, on est dans vraiment des très très belles douceurs. Ce sont deux laines qui ne piquent pas. Et qui se porte à même la peau avec grand plaisir. Voilà, minute culture, c'est fait, c'est terminé. Et donc c'était la raison de mon choix de laine de chez Eline et Laine, donc puisqu'elle contenait du BFL. Et alors là je suis tombée en amour parce que non seulement il y a du BFL mais en plus il y a de la soie, donc ça donne une luminosité toute particulière à cet écheveau qui paraît blanc mais qui en fait a des touches d'argent, comme son nom l'indique, hein, c'est la couleur vif argent. Donc elle a des légères touches d'argent, là on le voit à la caméra. Enfin, ça se voit plus à la caméra qu'en vrai. Mais voilà, je cherchais vraiment une luminosité pour faire ce pull-là. Et j'ai choisi de faire, parce qu'à force de parler, il faut quand même que je vous dise ce que j'ai commencé à faire. J'ai choisi de faire le pull Calisson de Loli Lafay, que je ne vais pas pouvoir vous montrer grand-chose pour l'instant, parce que vous voyez... J'ai castonné et j'ai un tout petit peu avancé. Donc c'est un pull avec un col rond assez ouvert qui a la particularité d'avoir une très jolie dentelle. Alors, qu'il faut que je vous tire. Une très jolie dentelle sur la partie centrale du dos. Donc qui descend surtout le long du dos. Donc pour moi, ça me permettait d'avoir un pull relativement classique sur l'avant. Une grande encolure comme j'aime bien. Et une fioriture, ou du moins un côté un peu plus travaillé sur le dos. C'est une chose que j'aime beaucoup, moi. Voilà. Et donc, c'est une bande qui descend du col jusqu'en bas. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et que vous démarrez à plat, en aller-retour, jusqu'à ce que vous ayez fait une grosse partie des raglans et que vous veniez rejoindre en rond en fait ici. Donc je suis à peu près là. On ne se rend pas bien compte parce que mes aiguilles sont un peu petites et puis que ça tourne.
Mais voilà, je suis au point où je rejoins et je forme mon encolure. Qu'est-ce qui est particulier avec ce patron? Alors moi, je me suis fâchée avec lui dès le départ. Je monte mes mailles, j'ai choisi de faire la taille 5, donc elle vous dit de monter un certain nombre de mailles, et le premier rang, après le montage de mailles, elle vous dit, ok, on part en arrière, on met les marqueurs. On part en arrière, on part en maille envers et on met des marqueurs. Donc je suis le patron, je mets mes marqueurs aux endroits indiqués, puis il me restait des mailles. Donc je me suis dit, hey, c'est pas grave, j'enlève mes marqueurs, je refais. Donc je refais une deuxième fois, je refais une troisième fois, la quatrième fois, je me suis dit non. Soit j'ai pas le bon nombre de mailles que j'ai montées, soit il y a une erreur dans le patron. Et donc il y a une erreur dans le patron. Donc moi je vais faire un message à Loli Lafay, puisque j'ai recalculé le nombre de mailles qu'elle nous disait sur le premier rang, et j'ai 2 mailles d'écart. Donc c'est pas très grave. J'ai rajouté 2 mailles sur la partie avant, parce que je me suis dit que si j'augmentais un tout petit peu mon encolure de 2 mailles, ça se verrait pas. Et au moment où je ferai la séparation des manches et du corps, j'adapterai s'il y a besoin d'ajuster sur 2 mailles. Mais 2 mailles, ça devrait pas poser de soucis. Par contre, voilà, j'étais un tout petit peu fâchée. Ça démarrait mal. Voilà, ça démarrait mal. Et puis, ben, bien sûr, j'ai recalculé du coup, parce que j'ai fait ma psychopathe. Du coup, j'ai recalculé toutes les tailles en me disant, peut-être que c'est simplement que j'interprète mal le patron. Mais en fait, non. La taille 1, la taille 2, la taille 3, toutes les autres tailles, c'est tout bon. Mais la taille que j'ai décidé de faire, il y avait une coquille. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Ce qui est sympa dans ce patron, donc vous démarrez là-haut, donc une fois que vous avez mis vos petits marqueurs qui délimitent, donc alors il y a 8 marqueurs, non, 8, 10 marqueurs sur un rang, donc vous en avez 2 pour chaque raglan, et puis vous en avez, donc ce qui fait 8, hein, 2 fois 4, 8, et puis vous en avez 2 pour, donc là vous les voyez, hein, que moi j'ai décidé, alors je travaille avec des marqueurs ampoule, mais j'ai décidé de faire une couleur différente pour bien délimiter la partie où j'ai la dentelle. La dentelle, j'ai fait une petite adaptation, et ça c'est lié, un, à mon aversion envers les nopes, parce que normalement dans la dentelle vous avez des toutes petites nopes qui viennent se rajouter là sur la partie centrale et tout ça. Moi j'ai décidé de ne pas les faire, tout simplement déjà un, parce que je suis pas une grande fan de nopes, de bouboule là. Et la deuxième chose, c'est que je n'ai que 3 échevaux de mon vif argent. 3 échevaux, ça me fait 1200 mètres. Et pour ma taille, et ben il me fallait 1400 mètres. Donc le modèle propose une version avec des manches bouffantes, enfin du moins des manches un petit peu, voilà, des manches un petit peu bouffantes, ou des manches ajustées. Donc ben, déjà, mon choix de laine me va m'orienter vers des manches ajustées. Et donc pour gagner les petits quelques petits mètres qu'il fallait pour les nopes, bah j'ai décidé de faire l'impasse aussi sur les nopes. Donc ma version sera sans nopes et avec des manches ajustées, alors que celle qu'elle montre sur son image a des nopes et avec des manches bouffantes. Donc voilà. Pour être sûre d'avoir suffisamment pour terminer mes manches à la bonne taille, je vais tricoter une grosse partie de mon corps, puis je vais faire mes 2 manches, mon col, il faut relever les mailles au niveau du col pour faire une finition avec un petit I-cord. Alors si j'ai bien lu, c'est un I-cord sur 2 mailles. Il n'est pas impossible que je le fasse sur 3 mailles pour quelque chose d'un tout petit peu plus marqué. Et je terminerai le corps, puisque j'ajusterai en fait la longueur du corps par rapport à ce qui me reste à ce qui me restera de laine. Donc logiquement, c'est un patron qui ne devrait pas me. Qui ne devrait pas me laisser le reste. Donc on verra. Je suis très curieuse. En tout cas, voilà. La dentelle en elle-même, elle est réalisée sur 19 rangs et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc une fois que vous avez compris le rythme des augmentations, et ben, il suffit de suivre en fait votre diagramme de dentelle. Donc la dentelle, elle est sous forme de diagramme. Elle n'est pas en. Je ne vous raconte pas de bêtises, elle n'est pas écrite. Vous ne l'avez pas en mot à mot, c'est uniquement un diagramme. Par contre, elle est très très facile à suivre. Hein. C'est voilà, c'est des jetés, des mailles ensemble, enfin, des démissions et des mailles et des jetés.
pour faire les augmentations, pour compenser, hein. Voilà. En termes de rythme, on est pas mal parce que voilà, on fait une petite vingtaine de rangs, il y a quelque chose de nouveau qui se rajoute, une petite vingtaine de rangs, il y a quelque chose de nouveau qui se rajoute, et puis là, ben, il y a encore une petite vingtaine de rangs, et logiquement, je devrais arriver à la séparation entre le corps et les manches. Comme l'encolure est très large, finalement, on part pas d'aussi haut, donc finalement, on arrive assez rapidement à la séparation des manches et du corps. Donc voilà. Ça reste du 3,25. Donc ça n'avance pas vite. Par contre, la texture, j'aime beaucoup. C'est très très doux, c'est très lumineux. Alors vous le voyez vraiment pas beaucoup, on ne voit pas suffisamment à la caméra. Mais le rendu est vraiment sympa. Par contre, ce que vous voyez plus à la caméra, et que je vois moins en vrai, c'est ces fameuses nuances de gris, d'argent. Là, je le vois. Vous voyez, il y a des petites rayures. En vrai, ça se voit moins. Alors si, maintenant je le vois. Maintenant que je l'ai vu à la caméra, maintenant je le vois. Donc bon, en tout cas ça veut aussi dire qu'il faudra bien que je fasse attention à alterner mes échevaux sur, juste avant de changer les chevaux. Parce que même si ils font partie du même bain, j'ai fait très attention parce que chez Eline et Hélène vous avez le bain de teinture. Donc j'ai fait bien attention à avoir le même bain quand je les ai achetés. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit mais c'est des échevaux que j'ai achetés au Nitat Motoko, au salon qui avait eu lieu au mois de mai. À Mulhouse, donc en Alsace. Donc voilà, donc mes petites merveilles que j'avais acheté à ce moment-là. Donc voilà pour mon premier projet en cours qui m'occupe voilà quand j'ai envie de me faire plaisir parce que là pour le coup c'est pour moi et j'aime tellement cette laine, elle est vraiment douce. Par contre ça glisse un peu sur les aiguilles au point où j'ai déjà rattrapé mes mailles plusieurs fois. Alors j'ai pas l'habitude moi d'avoir mes mailles qui glissent. Je sais pas pour quelle raison cette fois-ci elle. Voilà, je sais. Simplement parce qu'il y a 45% de soie, donc elle se promène un petit peu beaucoup, cette laine. Donc voilà, donc je fais attention, hop, à avoir la totalité qui s'échappe pas. Donc voilà pour mon premier projet en cours. Je vous en ai parlé un petit peu longuement, je suis désolée si ça vous a saoulé. Et puis je vais vous montrer le deuxième et il n'est pas impossible que vous en veuillez plus dans les prochains épisodes puisque très clairement là pour le coup je tourne sur deux gros projets ou trois gros projets et puis je me suis rendu compte que j'aime quand même vraiment bien être multi en cours. Alors, mon deuxième en cours que je veux vous présenter, c'est un pull bébé que... Alors, j'ai un peu honte, mais je vais vous le raconter quand même, cette histoire. Bon, d'abord, je vous donne le modèle avant de vous raconter ce qui se passe et pourquoi je tricote ça. Donc, c'est un pull qui s'appelle Sagano de Lisa Chemery. Alors, je suis désolée, j'ai mes petites notes là, donc j'ai regardé. Lisa Chemery, alias Froginette. Ouais, Froginette. Sur Ravelry. Donc c'est un pull bébé ou enfant puisque c'est un pull qui démarre à la taille 3 mois et qui va jusqu'aux 10 ans. Voilà, donc de 3 mois à 10 ans, c'est un pull que je tricote pour le bébé de mes voisins où j'avais même pas vu qu'elle était enceinte. La honte, la honte. Alors je vous raconte, c'est 36-15 ma life nouveau, hein, mais je suis rentrée de vacances il y a 15 jours, donc dans l'épisode précédent, où, voilà, c'est à ce moment-là, je rencontre mes deux voisins, on prend des nouvelles, et puis j'ai l'un de mes deux voisins qui me dit « Mais tu félicites pas un tel ?» Alors, je dis « Ben, je sais pas, il faut que je le félicite, pourquoi ?»« Mais il est devenu papa !» On lui dit, bah oui, il est devenu papa il y a 6 ans. C'est, le gamin, il est grand maintenant, c'est quoi, c'est son anniversaire. Il dit, non, 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 elle a accouché. Oh, j'ai dit, mon Dieu, la honte. J'avais même pas remarqué que ma voisine était enceinte. Donc, je suis passée pour la voisine indigne. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, allez, rattrape-toi, c'est le moment d'aller tricoter très rapidement un pull pour le petit, pour faire un cadeau de naissance. Du coup, voilà, je me suis dit, un pull tricoté main, je sais qu'il... Ils sont assez fans de ces arts créatifs manuels. Donc voilà, je le tricote dans une taille de 18 mois parce que bah, clairement, il ne va pas le mettre maintenant. Et c'est un garçon, donc je suppose qu'il va prendre un petit peu d'ampleur avant l'hiver prochain.
Et puis je me dis que de toute façon, si c'est un petit peu trop grand, elle verra bien comment elle le met. Donc, c'est un pull Sagano que je tricote dans toujours encore une Rico Design. Hop là, je tremblote. Rico Design, donc dans la base Rico Baby en Dream Decay Uni, dans une couleur que j'aime beaucoup, qui est un bleu jean. Voilà, et qui c'est une fibre qui est c'est un fil, c'est pas une laine, c'est un fil qui est 50% acrylique, 50% polyamide, par contre qui est extrêmement douce et qui est la, voilà, qui a l'avantage de pouvoir passer en machine pour les bébés, c'est quand même plus, ou du moins les petits enfants, puisqu'à 18 mois, oh si, à 18 mois on a encore un bébé. Mais voilà, à 18 mois, elle sera certainement ravie de pouvoir mettre le pull en machine plutôt que de le laver à la main. Et donc, je vous montre où j'en suis. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai publié une story où je vous montrais des toutes petites aiguilles avec une quantité de mailles astronomiques. Et bien, c'était ce projet. Je le tricote et je vous le montre d'abord sur mes aiguilles qui me servent habituellement à faire mes manches. Voilà, bon bref, alors je le tricote, que je regarde en 4, donc un pull de 18 mois en taille, tricoté en 4 en decay, ça va assez vite, donc là typiquement je suis sur du pull où je tricote un peu devant la télé, par-ci, par-là, je me dis qu'il n'y a plus d'urgence, de toute façon je suis déjà passée pour la voisine indigne, et donc je vous montre ça, donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, en raglant tout simplement, vous faites quelques rangs de côtes, alors c'est des côtes torse, elle vous fait faire une petite finition en un rang de mailles en vert avant de commencer le jersey et les augmentations des raglans. Vous avez donc la particularité de ce modèle, ce sont ces manches qui ont un très joli, alors là je suis vraiment fan, j'espère que ça rendra bien à la caméra, une très jolie décoration sur la partie haute de la manche. Donc c'est un motif assez qui est vraiment sympa puisque ce sont simplement des mailles glissées avec le fil avant, sur l'avant, des mailles en droit, des mailles en vert et qui sont entourées par une maille de côte, maille en droit torse de chaque côté. Le corps lui est en jersey en droit. La deuxième partie de la manche est tout simplement en jersey en vert. Donc on ne s'ennuie pas, entre chaque marqueur on a quelque chose de particulier à faire. Alors c'est une construction que j'avais pas encore vue parce qu'il y a des rangs raccourcis, puisque vous voyez hein, le col est creusé. Par contre les rangs raccourcis ne sont pas faits sur la partie arrière du dos. Ils sont faits à partir du moment où vous avez séparé les manches du corps. C'est une construction que j'avais jamais vue, que j'ai trouvée très étonnante, mais qui au final a bien creusé l'encolure, comme ça devait l'être. Voilà, donc bon, vous avez un tout petit peu plus de mailles puisque vous êtes sur la dimension complète du corps, ou du moins sur le diamètre complet du corps. Par contre, voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme construction, où finalement, même dans les petits vêtements bébés, il y a des petites particularités, on apprend à chaque fois. Donc voilà, rien de plus à rajouter sur ce modèle, c'est vraiment très basique comme construction. C'est un patron qui est en anglais, qui est un peu cher. J'ai trouvé qu'il coûte 8 euros, un peu plus de 8 euros pour un patron enfant, j'ai trouvé ça vraiment cher. Par contre, c'est vrai qu'il est bien écrit, il est bien détaillé, il vous prend par la main, c'est absolument pas... accessible à quelqu'un qui ne parle pas anglais. Ça par contre je préfère être transparent, il y a énormément de blabla, enfin de blabla, il y a énormément d'explications. Donc et le code ou ce que vous devez tricoter est noyé un peu dans les explications au fur et à mesure. Donc si vous ne parlez pas anglais, n'allez pas vers ce patron là. Il y en a d'autres qui sont assez accessibles, celui-ci ne l'est pas. En tout cas pas pour quelqu'un, pas juste avec un Google Traduction, ça suffira. Donc voilà, je le tricote, maintenant je suis dans le corps, hein, il faut que je tricote un certain nombre de centimètres avant de rabattre en côte, puis après je continuerai ma manche de la même façon avec
le motif au-dessus et le jersey en vert sur toute la fin de la manche avec les diminutions en dessous et puis une petite fin, je suppose, je n'ai pas lu le patron, mais d'après la photo, voilà, une petite fin au niveau des poignets en côte, on appelle ça demi-torse puisqu'il n'y a qu'une maille sur deux qui est torse, voilà, pour la finition. Donc bon, ça devrait être fini assez vite. Je suppose que vous le verrez terminé dans le prochain podcast. Donc voilà pour mon deuxième et dernier objet que je vais vous présenter cette semaine. Pour mes autres objets en cours, je vous les montrerai la prochaine fois. Quoi d'autre ? J'ai pas d'autres choses vraiment à vous montrer, en tout cas cette semaine. Par contre, je voulais vous prévenir... Alors, je vous l'ai dit avant, je suis en vacances. Enfin, du moins, ce soir, je serai en vacances. Donc, il faut d'ailleurs que je me dépêche parce que ma pause de midi est bientôt finie. Mais voilà, je serai en vacances ce soir et j'ai une envie de me challenger, de pousser mes limites. Et je pense que je vais le faire en me filmant pour vous montrer ce que je fais et vous faire participer. Voilà, donc je vous en ferai une vidéo. Je vous la posterai certainement... Voilà, dans les semaines qui viennent. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que ce sera un challenge sous forme de un espèce de vlog sur un projet fait dans un temps extrêmement court. Enfin, plus court que ce que j'ai l'habitude de faire. Et je voulais prendre le challenge avec vous le matin en vous disant « Ok, top départ !» Et puis, au fur et à mesure de l'avancée du projet, je reviens vous voir, je vous donne mon ressenti, je vous montre mes avancées. Et voilà, donc ce ne sera pas... Il n'y a pas de changement de ligne directrice sur ce que je voulais vous proposer dans ce podcast. Les podcasts resteront tous les 15 jours, mais il est possible que vous ayez une ou deux vidéos en plus qui viendront entre les deux sur ce genre de soit challenge, soit événements spéciaux. Voilà. Mais je vous promets rien, je vous laisse avoir la surprise et puis j'espère que ça vous plaira. Et si jamais vous décidez de prendre ce genre de challenge de la même façon que ce que je l'ai fait, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos avancées, que je puisse participer un peu. Ça me fait plaisir de voir aussi ce que vous faites. Je vais faire la partie un petit peu plus autopromotion. Si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu et que le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire. Un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui le font. Sachez que ça contribue, alors que ce soit un commentaire que vous laissiez, un pouce en l'air, quelle que soit l'interaction que vous avez avec cet épisode ou les autres épisodes, sachez que ça contribue à rendre ma chaîne visible et à faire découvrir à d'autres tricoteuses ce que je vous propose. Donc, si vous aimez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce en l'air. En tout cas, je vous remercie et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Sur ce, je vous souhaite